Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve avec un énorme plaisir pour ce magazine « Comment va la santé ?». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hépatites. Alors, quelques chiffres hein, pour commencer. Savez-vous qu'en France, environ 600 000 personnes vivent avec une hépatite et les personnes migrantes sont les plus touchées par rapport à la population française. Alors, les hépatites, quelles sont-elles? Comment se transmettent-elles? Comment se soignent-elles? Voici en gros toutes les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette émission. Et bien sûr, c'est en compagnie de mon complice Abdon Goudjo. Bonjour Abdon. Bonjour Aïssa. Ça va? Ça va. Alors, c'est vacances? Ça va, tout s'est bien passé. Alors, c'est très bien. Mais ça y est, c'est loin derrière maintenant. C'est la rentrée. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux hépatites. Alors, la première difficulté, c'est qu'il existe plusieurs formes d'hépatite, Abdon Goudjo. Oui, absolument. Donc, les hépatites, c'est une inflammation du foie. Elle peut être due soit à un produit chimique, type un médicament, soit un produit toxique comme l'alcool, oui, ou à des virus. Oui. Et parmi les virus, on aura à voir les virus de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Alors la première difficulté, c'est la méconnaissance de cette maladie. C'est ce que nous avons vérifié dans les rues de la capitale. C'est un sujet de Salah Edingako. Une jaunisse et une hépatite, est-ce la même chose? Une jaunisse et une hépatite? Je pense pas, je crois pas. Une jaunisse et une hépatite? Après, je sais pas ce que c'est exactement une jaunisse, mais je pense pas. Ça se voit pas sur la peau noire, donc je ne sais pas vraiment non plus ce que c'est. La jaunisse, non. J'en ai entendu parler, mais je ne vais pas vous définir exactement ce que c'est. Connaissez-vous les différences entre les hépatites? Non, je ne connais pas. Pas du tout. J'entends parler d'hépatite, mais... je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais très bien qu'il y a les hépatites B, hépatites C, il y a plusieurs sortes d'hépatites, mais sans plus. J'en ai entendu parler de plusieurs, sans vraiment savoir profondément à quoi ça rime. Le C, l'hépatite C, l'hépatite B, je crois que c'est tout. Je pense qu'il y a des légères différences quand même entre chaque hépatite. Si ça a un nom B, C, c'est qu'il doit y avoir des différences forcément entre elles, quoi. Alors, on le voit bien, Abdon, il y a une certaine méconnaissance des hépatites. Oui, il y a une méconnaissance. Bon, c'est normal qu'il y ait une... c'est tellement diversifié, les hépatites. Je comprends qu'est-ce qu'il y a une méconnaissance. Et quand on parle d'ictère, par exemple, ou de jaunisse, ce n'est qu'un symptôme d'une hépatite. Ce n'est pas un symptôme formel, puisqu'il y a des hépatites qui n'en donnent pas particulièrement, il y a d'autres qui en donnent beaucoup, donc ce n'est qu'une expression. Mais là, donc, je trouve important donc, d'initier la question ici. Oui. L'autre point, c'est que dans les hépatites qu'on aura à voir, l'hépatite A, qui est en transmission donc, sur le plan alimentaire et par consommation d'eau sale, oui, et l'hépatite B qui suit donc qui passe par la voie sanguine, la voie sexuelle ou la mère à l'enfant, ou l'hépatite C qui est en contamination par la voie sanguine. Ces hépatites toutes ont des effets importants qui méritent d'être développés et d'être expliqués à nos concitoyens. C'est ce que nous allons tenter de faire et justement nous accueillons notre invité, le professeur Yazdan Pana, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat. C'est à Paris. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Bonjour et merci à vous. Alors je sais que vous connaissez déjà. Nous connaissons le professeur Yazdan donc, de l'hôpital Bichat qui est donc une des sommités en matière d'infectiologie en France. Alors les hépatites, c'est un sujet passionnant, professeur. Oui, oui, c'est surtout un problème grave de santé publique. et effectivement, le reportage que vous avez fait, c'est très important parce que ça montre qu'on a beaucoup d'informations et d'éducation à faire auprès de la population. Alors oui, c'est vrai, il y a une mauvaise connaissance de cette maladie, c'est ce que nous avons vérifié une fois de plus avec Salah Edingako. Regarde les images, on se retrouve juste après. Savez-vous comment s'attrape une hépatite B? C'est avec la salive, non? Bon, je sais pas. Je sais pas. D'après ce que je sais, c'est par le contact de bouche à bouche buccal. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai appris. Est-ce qu'on peut être infecté par le virus de l'hépatite sans le savoir? Bien évidemment, parce que quand moi, par exemple, je ne savais pas que j'avais l'hépatite C. Je ne savais même pas que j'étais malade. Je ne savais pas. Il a fallu qu'on me fasse une prise de sang pour chercher, pour voir si j'avais pas le sida.
C'est là qu'on découvre que j'ai l'hépatite C. Et à partir de là, il y a eu des complications jusqu'à ce que je me suis retrouvé avec un cancer de foie. Et de là, j'ai été opéré, greffé d'un foie. Savez-vous comment on se protège de l'hépatite B? La meilleure façon, c'est le vaccin. Oui, oui, merci. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est en général le vaccin. Il faut tout simplement essayer d'éviter, absolument éviter d'être contaminé par le sang. Et les enfants? Si on me montre comment on peut les protéger de l'hépatite, volontiers. Alors, professeur, dites-nous, combien de formes d'hépatite existent-il ? Alors, je pense que c'est le problème principal. Comme l'a dit Abdon, je pense que... Mais d'ailleurs, ça sort bien dans les questions que vous avez posées. Hein. Oui. Il y a différents types d'hépatite. Hein. Premièrement, il n'y a pas que les hépatites virales. Il y a des hépatites médicamenteuses et hépatites toxiques, notamment liées à l'alcool. Oui. Et après, il y a les hépatites virales. Et à l'intérieur des hépatites virales, il y a aussi différentes formes. Les plus connus étant A, B et C. Il y a d'autres, mais on va s'en tenir à A et B et C. Oui. Après, dans ces trois types d'hépatite, déjà les modes de contamination sont différents. Oui. L'hépatite A, c'est alimentaire et l'eau, ça veut dire c'est l'ingestion d'aliments sales. Et l'hépatite B et C, c'est tous les deux par le sang, et le B par le sexe, transmission sexuelle, oui. Le C beaucoup moins. Ça existe, mais plus aléatoire. Et enfin, le B et C, il y a aussi la transmission de mère à l'enfant. Ouais. Et là encore, le B beaucoup plus que le C. Donc vous voyez, il faut distinguer déjà, compte tenu de leur type de transmission, ces trois virus. Il faut également les distinguer parce que l'hépatite A, c'est une hépatite aiguë. Ouais. On n'a pas de forme qu'est-ce chronique. Qu'est-ce que c'est une hépatite aiguë? C'est une hépatite aiguë. Elle donne des signes à voir. Entre autres, la fameuse jaunisse dont on parle souvent renvoie souvent à un des signes assez évocateurs dans une hépatite et A. Et sur les peaux noires, ça se voit la jaunisse On le voit dans le blanc des yeux. Oui, on le voit dans le blanc des yeux. Ouais. Et même la coloration de la peau bouge légèrement. Et aussi au bout des extrémités, cela se voit. Avec un œil entraîné, on apprend à le voir. La personne qui a dit on ne le voit pas sur les personnes noires, ce n'est pas vrai parce que moi, j'ai beaucoup de malades qui viennent me dire. Je suis jaune et ils s'en plaignent. Donc ça, c'est pas vrai. Alors donc du coup, là, vous avez l'hépatite aiguë. Première rencontre de l'organisme avec le virus. La plupart des temps, comme l'a dit Abdon, symptomatique, fièvre, douleur dans les muscles, douleur dans les articulations. Pas toujours, parfois, jaunisse qu'on appelle aussi ictère. D'accord. Voilà, ça, c'est l'hépatite aiguë. L'hépatite A donne une hépatite aiguë. L'hépatite B peut donner une hépatite aiguë, l'hépatite C ne donne pas. D'accord. Mais à l'arrière, l'hépatite aiguë, sauf dans un certain nombre de cas, ça guérit tout seul. Pour l'hépatite A, il n'y a pas de forme chronique. D'accord. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est un élément important à dire. L'hépatite A guérit. Ah oui, peut guérir. Et ça, c'est un élément important. Voilà, alors, on est très fatigué de ça, mais ça guérit, l'hépatite A. D'accord. Les deux autres hépatites, le B et C, là, il y a des formes chroniques. OK. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus peut rester dans l'organisme jusqu'à la fin de la vie et faire des dégâts. D'où l'importance de bien savoir où on en est avec la maladie. Et c'est la raison pour laquelle différentes associations agissent sur le terrain pour informer et prévenir les populations concernées. C'est le cas de l'association Afrique Avenir, que vous connaissez sûrement tous les deux. Absolument. Et Salah Edingako a suivi cette association dans le quartier de Château-Rouge, à Paris, lors d'une journée d'information et de prévention. On regarde les images et on se retrouve, messieurs, juste après. Paris. Dans le 18e arrondissement, non loin de Château-Rouge. C'est ici que l'association Afrique Avenir organise régulièrement des actions de sensibilisation pour les populations africaines. Aujourd'hui, l'action de Romain, coordinateur de l'association, et de son équipe porte sur la prévention aux hépatites. Sur la table, chaque objet a son rôle. Nous avons ici les outils que nous utilisons pour sensibiliser les personnes ici présentes sur les modes de transmission et de prévention des hépatites. Vous avez ici un foie normal et ici un foie malade. Et ce foie malade peut être attaqué par les virus,
donc le virus de l'hépatite C, de l'hépatite B ou de l'hépatite A. Mais il y a d'autres virus aussi qui peuvent attaquer le foie, mais nous insistons beaucoup sur l'hépatite C et l'hépatite B. Lors de ces actions, il y a la possibilité de se faire dépister sur place. Les passants prennent le temps de s'arrêter pour écouter les conseils de Romain et de son équipe. Vous, on vous a percé les oreilles. Si quelqu'un avait l'hépatite C et que les guides, là, je ne sais pas, on l'avait fait au pays ou bien on l'a fait ici? Ah oui, nous, on a fait ça au pays. En France, 150 000 personnes sont atteintes de l'hépatite B sans le savoir. Pour Afrique Avenir, le terrain est le meilleur moyen de faire de la prévention. Alors Abdon et professeur, on voit bien que ces associations, elles sont là, elles sont bien là sur le terrain. Et heureusement d'ailleurs qu'elles le sont, professeur. Ah oui, oui, c'est très important. Alors, vous voyez le sujet important parce qu'en gros, les hépatites chroniques, oui, donc B et C, après la phase aiguë, ils sont pendant des années dormantes un peu. Oui. Pas de symptômes. Et au bout de 20 ans, en général, en moyenne, au bout de 20 ans, ils évoluent vers ce qu'on appelle soit la cirrhose, oui, soit vers un cancer de foie. Là, ce qu'on a vu, c'est une cirrhose, foie nodulée. D'accord. Une cirrhose, c'est qu'on peut vomir du sang, on peut être somnolent, on peut avoir de l'eau dans le ventre, etc. Donc, c'est pas bon. La fameuse acide qui donne un ventre volumineux, d'accord, et donc il faut sortir de l'eau régulièrement du ventre, oui, est un des signes, entre autres, de cette cirrhose installée. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, pendant cette période d'une vingtaine d'années, qui peut être un peu moins, qui peut être un peu plus, il faut absolument dépister, oui, pour traiter, pour éviter qu'on aille vers la cirrhose ou vers le cancer. Parce que le point important, c'est qu'il faut dépister parce qu'il y a un traitement. Alors avant de parler du dépistage, parlons des modes de transmission et des symptômes un peu plus en détail. Alors quels sont les modes de transmission de l'hépatite B et quels en sont les symptômes, même si on dit qu'ils ne sont pas très apparents, au moins donnez-nous quelques pistes pour essayer de... Ça me paraît très important que le professeur le dise de manière extrêmement claire. Et non, l'hépatite B est tellement ignorée dans ce pays, donc aussi bien dans la population africaine que la population française, oui, qu'il est bien de le repréciser, non, je laisse le soin donc à Yazdan de le dire. La transmission, on l'a dit, hein, et Abdon l'a dit aussi, la transmission d'hépatite B, c'est soit par le sang, soit par le sexe. D'accord. Le sang, ça veut dire transfusion, mais ça veut dire aussi partage de seringues, oui, ça veut dire tatouage, oui, bon, même si maintenant... En Europe, en tout cas. Excision. Ah oui, l'excision, malheureusement, mais dans nos pays, l'excision, oui. L'excision, voilà, tout ce qui est... et par ailleurs, la sexualité aussi. Oui. L'hépatite B, on peut le transmettre par la sexualité, donc le rapport vaginal, anal, etc. Donc ça, c'est important pour la transmission. Et attention, l'hépatite B est beaucoup plus transmissible que le VIH. C'est 10 fois plus transmissible. Ah voilà, c'est un élément important à dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde qui a une hépatite B, ouais, parce que c'est beaucoup plus transmissible. Alors, est-ce que quelques symptômes peut-être Alors, les symptômes, c'est encore une fois, si les symptômes, vous l'avez au moment où le corps rencontre le virus. Mais la plupart des gens ne se rappellent pas de, ouais, ça. Hein. Que... C'est fini, c'est dans le passé, ouais, c'est parfois dans le pays, etc. Là, je vous ai dit, fièvre, et encore pas tout le monde. Pas tout le monde. Ouais. Ah, des douleurs dans l'articulation. Des articulations. Des douleurs dans les muscles. Oui. Et la jaunisse. Mais à mon avis, c'est pas ça qui est important, parce que ça, en général, les gens se rappellent pas. Les gens ont oublié. La plupart des gens que vous voyez, ils sont en phase dormante, en phase chronique. C'est pour ça qu'il faut dépister, même si on n'a pas de signes. Alors, pour l'hépatite C, quels sont les signes et quels sont les modes de transmission? Mais pour l'hépatite C, pour les modes de transmission, c'est un peu pareil, oui, sauf que c'est beaucoup plus... Le sang et le sexe, c'est très peu. D'accord. C'est moins transmissible que l'hépatite B, mais c'est quand même plus transmissible que le VIH. Oui. D'accord. Donc, transmission par le sang, les mêmes choses qu'on a dit, et par le sexe, mais beaucoup moins. Alors, d'où l'importance, Aïssa, le travail de prévention et, ouais, de promotion que fait l'association Afrique Avenir, informer, oui, donc sur la place du marché, informer dans la rue, permet au moins de prendre conscience d'une situation qui, par la suite, va les orienter vers une démarche dite de dépistage. Alors le dépistage, justement, parlons-en, il est essentiel pour connaître sa situation face à la maladie, c'est ce dont nous parlons tout de suite. Je voulais le répéter, hein, ça, hein. Il ne faut pas attendre des signes pour se faire dépister, voilà. Ça c'est très important. Alors justement, nos équipes se sont rendues au CJ de l'hôpital Bichat pour suivre une consultation de dépistage et le suivi d'une personne infectée. On regarde les images et on se retrouve juste après. Paris, 18e arrondissement, l'hôpital Bichat.
C'est dans ce centre hospitalier de l'assistance publique Hôpitaux de Paris que se dépistent des centaines de personnes chaque semaine. Le Cégide est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Harry est venu ce jour récupérer les résultats de son dépistage de l'hépatite. Négatif, hein. Comme quoi ça sert de se protéger. C'est un soulagement pour vous ? Franchement, un soulagement, même pour moi et ma copine. Donc on peut avancer, se projeter, de faire des enfants ou construire une famille, tout simplement. J'ai fait ce test d'abord, un, pour me rassurer ma personne, deuxièmement, deux, ma copine, et puis pour être vraiment sûr, parce que des fois, il y a des accidents qui arrivent à n'importe quel moment. Après avoir trop bu, ou une capote mal mise, et c'est des erreurs qui ne pardonnent pas. Le dépistage est le seul moyen de savoir si l'on est atteint de cette infection. Chaque année, le virus de l'hépatite B est responsable de 680 000 décès. L'hôpital Bichat dispose d'un service de suivi des personnes infectées. Ibrahim a contracté la maladie en 2009. Il est suivi par le docteur Anne Gervais. La dernière prise de sang, donc c'est, on le fait tous les 6 mois pour bien vérifier que le médicament marche. Et ben c'est parfait. Le virus il est complètement abruti là, par le médicament. C'est-à-dire, je vous l'imprime. Vous voulez des résultats ? Ouais. Pour le docteur, la vaccination est le meilleur moyen de combattre le virus. Donc, dans le monde, on a un quart, un tiers de l'humanité qui a rencontré le virus de l'hépatite B. On n'a heureusement pas un quart, un tiers de l'humanité malade, sinon ça ferait quand même beaucoup de gens à s'occuper, ça ferait trop. Et par ailleurs, donc, ce qui est aberrant, c'est qu'on n'ait pas dépisté un maximum de gens pour leur offrir ce traitement-là. Et même en amont, on aurait dû vacciner toute l'humanité. Depuis le début des années 80, on a un vaccin, on l'a de façon libre et large depuis les années 90. On a une génération qu'on aurait dû vacciner, quoi. Voilà, c'est merci. Simple. Okay, ouais. Tous les 6 mois, c'est simple. Oui, c'est très simple. Alors dites-nous, professeur, quels sont les bénéfices du dépistage pour l'hépatite C ? Les bénéfices du dépistage, c'est qu'on peut traiter et guérir. Et donc c'est bien pour la personne, parce qu'il guérit. Et c'est bien pour la population, parce qu'à partir du moment où il est guéri, ben, oui. Il ne transmet pas aux autres. Et quel est le traitement ? Alors le traitement d'hépatite C, vous savez, ces dernières années a complètement changé. Il y a une révolution dans le traitement. Il fut un temps où le traitement était absolument dur et que les patients avaient du mal à les supporter parce qu'ils étaient, on les rendait malades un peu par le traitement. Aujourd'hui, et là, il vous en parlera, le traitement a complètement révolutionné le traitement et même, on peut même guérir d'une hépatite C. Je laisse le professeur en parler très largement. Voilà, comme l'a dit Abdon, effectivement, maintenant, on a des traitements qui sont très efficaces, quasiment 100%, on peut dire, qui sont très bien tolérés, il n'y a absolument pas d'effets secondaires, ou très 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 peu, et qui sont faciles à prendre, parce que maintenant il y a un comprimé ou deux à prendre, et enfin c'est de courte durée, 8 à 12 semaines. Donc du coup, on a des traitements très efficaces, bien tolérés, faciles à prendre, et de courte durée. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu chers. Alors à présent, comment on se protège de l'hépatite B ? Il y a un vaccin pour l'hépatite B. Alors qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui nous regardent ? Alors effectivement, il est important de dire que malheureusement pour le C, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Ouais. Il y a un traitement très efficace, mais il n'y a pas de vaccin. Mais ça ne veut pas dire contre l'hépatite C, on ne peut pas se protéger en faisant attention. Hein. Pour l'hépatite. C'est un élément de prévention. On va y revenir régulièrement par rapport à la prévention, de bien le dire. Pour l'hépatite B, il y a effectivement un vaccin, un vaccin qui est très efficace. Il y a eu des débats autour des... c'est pour ça que la France est un pays, malheureusement, d'effets secondaires autour de ce vaccin, je reviendrai. La France, malheureusement, à cause de ça, c'est un des pays où la couverture est le plus faible. Mais... il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites qui montrent l'absence d'association de la vaccination contre l'hépatite B et notamment les effets secondaires, notamment la sclérose en plaques. Donc ce vaccin sur un plan santé publique est extrêmement important, extrêmement efficace. C'est 3 injections à 0, 1 et 6 mois. On peut également faire 2 injections à 0 et 6 mois avec un certain nombre de vaccins, mais c'est fondamental ce vaccin. Je trouve qu'il est important de revenir sur l'importance d'avoir ces démarches de prévention. Contre l'hépatite B, j'ai un vaccin.
contre l'hépatite B, en faisant de la promotion et de la prévention, on peut vacciner et protéger mais les personnes. Mais à partir du moment où on a le virus, ça ne sert à rien de se faire vacciner. Non, là, ça avance. D'où l'importance de se faire dépister pour savoir sa situation. La situation est déjà, d'avoir déjà les bons conseils dès le départ. Ce que fait Romain, c'est de donner des informations sur les modes de contamination pour qu'on apprenne à se protéger. Pour qu'on apprenne à ne pas prendre des risques particuliers qui exposent au risque du virus. C'est-à-dire que tout Africain qui est né sur le sol africain devrait un jour penser à se faire dépister. Oui, absolument. Parce c'est les recommandations. C'est les recommandations. Se faire dépister, au terme desquelles, bien sûr, soit le dépistage s'avérera positif, et dans ce cas, il va falloir qu'il se prenne en charge sur le plan de la thérapeutique, ou alors il s'avère négatif, et dans ce cas, on lui conseille vivement une vaccination, suivant le protocole que le professeur a proposé. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de cette émission? Quelles sont les informations que nos téléspectateurs doivent retenir? Juste avant, il y a aussi un traitement très efficace pour l'hépatite B, d'accord, mais qui est un traitement à vie, mais très efficace et bien supporté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que quand on se fait dépister, si c'est positif, on a des armes pour se battre et pour arrêter la progression de la maladie. Bon, je pense que les éléments... On peut guérir de cette hépatite? On ne peut pas guérir, mais on arrête... Le processus. D'accord. Et donc on est stabilisé, et ça c'est un élément important, il faut rester en vie et en bonne forme. D'accord. Donc moi, si vous voulez, si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a à retenir, allez vous faire dépister contre l'hépatite B et l'hépatite C si vous ne l'avez pas fait. Point. Alors, élément clé, et je rajoute juste, information donc, et promotion de la vaccination par rapport à l'hépatite B, information sur l'hépatite C, information sur les possibilités de prise en charge. Car les gens font un peu l'autruche. Faire l'autruche aboutit malheureusement à une évolution de l'hépatite vers la cirrhose et vers le cancer. Ouais. Faire l'autruche pour l'hépatite C, évolution vers la cirrhose et vers le cancer potentiel du foie. D'où alors se faire dépister, comme dit le professeur, permet de savoir quel est son statut. Alors, au terme desquels, bien sûr, on peut prendre des décisions éclairées. Ne pas oublier également le préservatif et d'éviter de partager le matériel, un matériel souillé ou en tout cas de ne pas partager un matériel avant de l'avoir désinfecté. Bien sûr, mais également, si on a tout oublié, parce qu'au terme d'une on oublie tout, n'oublions pas qu'on a un numéro vert qui fonctionne très bien et qui nous permet donc d'être alertés aussi. C'est le 0800 845 800 pour donc SIDA Info, Info Hépatite, pardon. Ah oui, justement, Hépatite Info Service qui répond au 0800 845 800. C'est un numéro vert. Le site internet également, www.hépatite-info-service.org. Le site de SIDA Info Service, il y a également plein d'informations sur les hépatites. SIDA-info-service.org. Et puis le site d'Afrique Avenir pour savoir les prochaines dates d'animation, du prévention. Donc, de prévention et même d'orientation de dépistage. www.afriqueavenir.fr. Merci beaucoup. Merci professeur Yazdan d'avoir répondu à notre invitation. Merci professeur, parce que là, ça a été très utile. Est très, j'espère bien, très utile pour nos concitoyens. Pour votre invitation. Merci, en espérant que nous avons répondu à vos interrogations sur les hépatites. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets santé. À très bientôt.